les amis! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler du semis de tomates. Alors, je mets sur le semis de tomates, là, on est fin février, c'est-à-dire le 29 février. C'est des tomates qui vont rester toute la saison en serre, c'est-à-dire qu'elles vont être plantées dans une serre et pas à l'extérieur. Pour les tomates qui partiront en extérieur, je vous conseille de les semer, je dirais, plutôt fin mars, pour être mieux après les 5 glaces à la mi-mai dehors. Donc voilà, alors maintenant je vais vous expliquer de quoi on aura besoin pour faire des semis correctement. Je vais vous expliquer trois façons de faire. Je ne vais pas vous les montrer, mais juste vous les expliquer. Alors la première façon, c'est avec des petits pots comme ça. La deuxième façon, ce sera avec des plaques alvéolées. Et la troisième façon, avec des caisses polystyrène. Donc, vous aurez besoin de plaques polystyrène. Et puis ce que je vais vous faire là, vous aurez besoin aussi d'une mini serre comme ça pour ceux qui font en petit godet et en plaque alvéolée. Une petite serre pour trouver action à moins 3 euros. Vous aurez aussi besoin, et surtout très important pour ceux qui font beaucoup de variétés de tomates, des étiquettes, parce qu'il faut marquer chaque variété. Un crayon de bois, pour faire sur les étiquettes plastiques, ça va super bien. Sauf moi, je prends un HB2, je crois. HB2. C'est-à-dire qu'il marque bien dessus. Aux arrosages, ça ne bouge pas. Et en fin de saison, avec une éponge, vous le nettoyez, c'est impeccable. Et puis l'année suivante, vous repartez avec vos étiquettes. Un pulvérisateur. Du terreau universel, parce que moi je ne me sers pas de terreau semi. Bon, si vous en avez, vous le prenez. Hein, ça, ouais. Mais moi, c'est universel, d'assez bonne qualité quand même. Hein, voilà. Ça, c'est pour mes plaques alvéolées. Je vous expliquerai après. Et bien sûr, le plus important, les graines de tomates. Donc, je vais vous parler de nos variétés qu'on va faire cette année. Voilà. Ah, donc voilà, je vais vous présenter les tomates qu'on va faire cette année. Donc, celle-ci, c'est celle qu'on a fait en 2019, c'est-à-dire la Criota Yellow. Velmozza. Velmozza. Monsieur Strippé. Paul Robesson. Tuxorne Red Aniello, verte de huit. Voilà, c'est celle qu'on a sélectionnée cette année. C'est-à-dire que celles-là, ils vont rester, je pense, titulaires. Titulaires de notre catalogue. Voilà, c'est-à-dire que tous les ans, je pense qu'elles seront en fait. Ensuite, Jaco. Donc là, on va repartir sur des anciennes variétés que nous, on a fait aussi. Qu'on a testées. Donc déjà. On est sûr de notre variété. Voilà. Donc il y a la corne de bouc. Corne de bouc. Aussi appelée la corne de bélier. La copia verde. Qui est super bonne aussi celle-là. La stuffer, ça c'est une tomate en forme de poivron qui pousse comme un poivron, elle est aussi creuse qu'un poivron, elle est destinée à être farcie. Très bonne tomate, très bonne semis en congélation. On a la Verna orange qui est une sorte de cœur de bœuf mais orange, un peu comme la Criota mais plus orange. Bon là je suis désolé. Hein. Le cul de singe. Une belle tomate aussi, une tomate rouge. On a une variété précoce, la Cosmonaute Volkov. Très bonne tomate aussi, c'est une précoce celle-ci. Là, je suis désolé aussi, mais là j'ai la couille de taureau. Désolé, c'est comme ça que ça se prononce. Hein. Ça c'est une très grosse tomate aussi, rouge. Et notre célèbre Cosula 24. C'est super bonne aussi celle-ci. Alors tout ça, on est sûr de nos variétés, ils ont été faites. Et maintenant, la nouvelle sélection, vous allez la découvrir en avant-première avec nous. On a la Mammouth German Gold, la Brandywing Apricot, la Mash Quebec, la Cœur de Bœuf Albenga. Celle-là, elle a refait parce que la première fois que vous l'avez fait, elle n'était pas conforme. Donc là, on a récupéré des graines chez quelqu'un. La... Celle-ci. La Vedovo Zerdé, je pense. Par exemple. La Golden Bison. La Wild Thyme Purple. La High Country. La Belle Rousse. La Surprise. Ah, surprise. Par contre, il y a un petit truc. Hein. Je vais vous expliquer après. La Kosovo. La Black Iceberg, la Big Tiger, la Canabec.
C'est pas la surprise, Jaco, je pense pas. Vas-y, dis ce que tu allais dire, mais je crois que c'est pas la surprise. Ça, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà, ce que je voulais dire, c'est la surprise, et voilà, regardez. Je pense avoir des graines. Ah oui, c'est celle-là, voilà. Oui, d'accord. Oui. Voilà, vous avez des graines très foncées, là. Bah, à tous les coups, celles-là ne seront pas bonnes. Non, elles ne seront pas bonnes, voilà. C'est sûr. Celles-ci, elles seront bonnes. Oui. Voilà, les plus claires. Voilà. Donc, on voilà. Met un bémol dessus. Voilà, donc, mais c'est une belle tomate. Hein. Oui, c'est une image. C'est une verte, des brunes rouges, hein. Magnifique. Très belle. Bon, ben, comme elle est en réserve, quand c'est comme ça, nous on en met quelques-unes sous réserve. Comme ça, si on voit qu'il n'y a au pas de levée, on la remplace. Voilà. Et pareil, on a une variété qui est de 2014, pareil. On a une 2014, oui. Ouais, on a donc, une 2014. C'est sous réserve aussi. On sous va voir si vous, comment on va les mettre au chaud. Dans 7-8 jours, on va commencer à voir lever. Et là, quand vous voyez que ça lève pas au bout de 7-8 jours, quand c'est au chaud, vous gratouillez un petit peu le terreau. Et là, vous voyez la graine, si elle n'est pas germée, c'est que c'est mort. C'est que c'est mort, ouais. Ouais. S'ils sont au chaud, hein, s'ils sont dehors en serre froide, c'est plus long, hein, selon les températures qu'il va faire. Voilà, donc après nos cerises, vu que les cerises, nous, on les met dehors, donc les cerises, ça sera semé fin mars. Tu donnes les variétés de cerises qu'on va mettre, Jaco? La Sunrise Bumblebee. La Emalia. Et la Verde Claro. La Verde Claro. Verde Claro, pardon. Ouais. La Sunrise Bumblebee, oh, il y a tuerie. Bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on va pouvoir commencer? Oui. Alors donc, je vais pas mettre remplir les caisses de terreau. Vas-y. Donc, si vous semez en cueillette, enfin en cueillette, oui, en caisse ou en petit baquet, le terreau, vous le mettez pour la tomate, pareil que pour les autres semis, au maximum de la caisse. Hein, là, je carré aux trois quarts. Vous laissez un coulé d'un centimètre ou deux. Hein. Voilà. Et puis, vous tassez un petit peu, vous faites vos trous tous les 4-5 cm et vous mettez une graine tous les 4-5 cm. Voilà. Pour couvrir une fine couche de terreau, au tamis, ce serait l'idéal. Au tamis, ou au passoir à nouilles, comme je prends. Et au chaud, parce que maintenant, il faut que ça germe. Pour germer, il faut au moins 18 degrés. Il ne faut pas que ça soit trop moins germé. Il faut que ça sorte assez vite. Après, vous pourrez les placer en serre froide avec beaucoup de protection. Mais ça, on y reviendra. Ah, comme j'ai fait pour mes poivrons, c'est nickel. Il y a 2 ans, j'avais fait ça, on a eu du moins 7 degrés, et j'avais bien couvert mes tomates qui étaient dehors. Mais ils ont passé le cap sans problème. Voilà. Bon, ensuite, un petit godet comme ça. Alors, vous remplissez maximum, toujours remplir au maximum. Ça ne sert à rien de prendre un godet comme ça, ou un pot pour le remplir au milieu, ça ne sert à rien. Donc, vous remplissez au maximum. Et ça, avec un petit pot comme ça, vous, si vous faites une variété où vous mettez 10 graines, vous en prenez 2. Comme ça, vous mettez 5 graines dedans, ça suffit. Hein, il faut laisser la place quand même à la future plante pour se développer un peu avant le rempotage, parce qu'il y aura besoin de rempotage. Nous, on fait ça sur plaque alvéolée. Donc ça, j'en mets. Voilà, plaque alvéolée. Je vais enlever tout ça parce que... Donc voilà, je prends la plaque alvéolée, je recommence à faire voir comment je garnis une plaque alvéolée pour ceux qui n'ont jamais vu et pour ceux qui n'ont jamais fait. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez une bonne couche de terreau dessus. Il faut bien remplir tous les alvéoles au maximum. Voilà. Vous avez des gros bouts, vous enlevez dans tout. Ça va gêner. Voilà. Après, vous appuyez fort dessus. Alors, vous mettez du terreau. Vous faites une bosse de terreau. Vous appuyez fort dessus tout en avançant comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, quand le terreau il est assez humide, on voit bien il est humide. Hein. Ben, quand vous appuyez dessus, il est bien tassé. Ah oui, effectivement, oui. Bon, après, il faut finir quand même, hein, parce que surtout sur les coins. Les coins, sur les bords, ils sont moins bien remplis. Alors, je ne joue pas de piano. Je vais semer des tomates. Sinon, je peux chanter et jouer du piano. Non, merci. Vous. Tu veux pas que je chante? Non, surtout pas. On va faire faire tout le monde. T'es pas gentil. Donc voilà. Donc la plaque est remplie. Voilà. Apparemment, pour le troisième alvéole, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je prends mon plantoir,
puis je croise mes alvéoles comme ça pour faire un petit nid douillet aux futures graines qui vont arriver. Voilà, j'ai fait les 6, mais comme je vais en semer que 5 par variété, donc dans la série, il y en aura un pied de chaque. Et maintenant, ça partira chez les copains, les copines, les amis, et tous ceux qui viendront nous voir. Et Dieu pour ça, pour vous venir nous voir. Surtout si vous habitez loin. Oui, ça va être compliqué. Vous pouvez vous déplacer pour... Mais si vous venez en vacances dans les Hauts-de-France et que vous voulez passer par chez nous... N'hésitez pas. Eh bien, n'hésitez pas. Bien sûr, si nous sommes à la maison, évidemment. Ouais. Bah oui, on n'est pas donc, disponible H24. À chaque variété que je vais semer, pour protéger de des radars, tout de suite, je fais mon étiquette. Voilà, Paul Robesson. Paul Robesson. Voilà, avec son numéro. Là, il a pas le numéro. Non, là, j'ai pas remis le numéro, Jaco, celle-ci. À cause de lui dire, je pourrais pas mettre le numéro. Bah tu peux la mettre 1, c'est pas grave, tu mets 1. Non. Je le mettrai après. Hors de question. Hors de question, bon. Donc voilà, donc la route là je m'en sers pas, je m'en sers que de la deuxième. Je lui en mets 5. Ah, c'est le côté que j'aime pas, sortir les graines du sachet. C'est vrai. Quand on a des gros doigts avec des sachets comme ça, c'est pas marrant. Alors, une chose, Jaco, on ne se met pas au-dessus du, jamais. Du plateau. Hein. Mettez-vous pas au-dessus. Bon, là, il n'y en a pas encore. Si ça tombe, je serai que c'est celle-ci. C'est pas grave, voilà. Mais, là, mais quand vous avez commencé, et puis que vous en faites tomber sur le plateau, ben... C'est mort. Après, on ne sait plus. Il n'y a plus pour reconnaître des graines. Mm. Alors, voilà. Je mets une graine par alvéole. Pas plus. Parce que j'ai confiance à mes graines. Et je sais que j'aurai pratiquement 100% de levée. Donc ça, vous le verrez après. Voilà, 5 graines. 5 graines pour la Paul Robesson. Voilà, puis je vais continuer. Donc là, on va faire ça avec toutes nos variétés. Et on reviendra après, Jaco. Bah oui, je ne vais pas faire ça. Sinon, ça va durer 6 mois. Bon là, Jaco est super concentré. Hein. Moi, je lui prépare les petites étiquettes et les sachets. Regardez. Regardez la différence des graines. La taille. Oui. Beaucoup plus grosse. Oui, il y a des variétés où il y a des graines beaucoup plus grosses. Vous avez une grosse tomate avec des toutes petites graines. C'est laquelle, celle-là, de Jaco, que tu es en train de faire? C'est la coupe du taureau. Non. Bien, désolé. Excuse-moi, bah, je vois pas l'envers en même temps. Bon, voilà. Allez, on continue. Hein. Allez. Bon ben voilà, on a un plateau de terminé. Voilà, donc un petit coup de tamis par-dessus pour couvrir, juste couvrir les graines. Pas la peine d'en mettre 5 cm. C'est vraiment une fine couche. Bon voilà, c'est couvert de terreau. Alors je vais ratisser un petit peu avec mon petit lame à enduire. Ça va bien, ça. Je vous conseille, ça. Voilà, ça suffit. Je vais avoir une petite étiquette devant et les graines qui correspondent dessus. Voilà. Donc maintenant, ça là-dedans. Hop là. Je pense qu'on peut faire tomber, ça serait malheureux. Oui! On a encore un peu de graines. Oui, mais quand même. Voilà. Allez, on tombe. Allez, c'est parti. Petit arrosage. Voilà. Pas trop près. Si vous faites trop près, ça risque de chasser. Hein. Et ça risque de chasser le terreau, la graine qui est dedans. Donc vous mettez à la bonne distance. Je dirais 15-20 cm au-dessus. Et vous trempez bien. Surtout la première fois. Et après, il faudra que le terreau reste toujours humide, Jaco? Tout le temps, il ne faut jamais qu'il dessèche. Et quand je dois arroser, quand? Ben la réponse est simple. Dès que vous voyez la surface du terreau, il commence à devenir un peu sèche, vous arrosez. Ou sinon, vous surpesez. Au départ, quand vous le trempez bien, vous voyez à peu près le poids qu'il fait. Vous passez la journée, vous surpesez, vous pesez le plateau, vous voyez si c'est léger ou pas. Mais souvent, dès que le terreau
à la surface commence à légèrement sécher, légèrement, attendez pas qu'ils soient complètement secs, hein. Ou sinon, le plus simple, pour ne pas vous tromper, tous les jours, vous passez légèrement comme ça dessus. Voilà, 2-3 passages comme ça dessus, c'est suffisant, tous les jours. C'est assez. Comme ça, voilà. Par contre, si vous voyez que vraiment c'est trempé, arrêtez, parce que sinon les graines vont pourrir. Voilà, un petit passage léger dessus tous les jours, ça va maintenir l'humidité et c'est parfait. Hop, le couvercle. Et au suivant. C'est parti, on continue. Je voulais aussi vous parler, c'est des... comme celle-ci, elle a la crâne de bouc. C'est comme son nom l'indique, c'est une cornue. Elle est aussi appelée la crâne de bélier. Hein. Elle a deux noms. Et elle devient assez rare, hein, c'est celle-là. Donc, je voulais vous dire que pour les cornues, ce qui vous sort tout, c'est soigner l'arrosage, parce qu'ils ont assez tendance à avoir le cul noir. La nécrose apicale. Qui n'est pas une maladie, hein, c'est une carence. Ou c'est une carence en potasse, ou c'est une carence en arrosage. Ou les arrosages réguliers. Si c'est du potasse, vous mettez un peu de lait au pied, vous l'arrosez 2-3 fois avec du lait, ça va repartir. Le cul noir va s'arrêter. Voilà, parce que aussi, vous avez aussi les tomates précoces ou hâtives. Donc, dans l'esprit des gens, qui dit hâtif, dit si je sème plutôt, je les aurais avant. Ben non. Eh ben non. Ben non. Souvent, hâtif, c'est-à-dire qu'elle pousse très vite, elle va mourir avant. Il y avait des variétés hâtives, si vous la semez. Prenez un exemple, début février, vous ne l'aurez pas début juin, vous l'aurez comme tous les autres fin juin. Ah, et elle va misérer à pousser si elle n'aura pas les températures voulues. Ouais. Par contre, une tardive, si vous la semez maintenant, comme ce qu'on fait, je ne la récolterai pas avant fin juillet, début septembre, début août. Début août. J'ai sauté. T'as sauté d'un mois là. Donc voilà, ça ne sert à rien de semer plus tôt pour récolter plus tôt. C'est faux. Vous n'aurez pas plus d'avance que moi en semant à la bonne époque. Donc respectez bien ça. Comme ça, vos pieds de tomates n'en seront que plus beaux. Et quand on les force au chaud très tôt en saison, regardez bien, souvent, si vous le faites, observez bien la tige. La tige, souvent, elle pousse toute blanche. C'est déjà pas un bon départ. Une tige de tomate, elle doit être violée. Et puis trapu, ça vous verrez, au fil du temps, il vous faudra les miens. Ouais, on en avait parlé puis, en 2018, 2019. Si vous respectez tout bien, vous verrez sur les vôtres. Voilà. Verna orange. Verna orange. Une très bonne tomate aussi. Cœur de bœuf. Enfin, c'est pas une cœur de bœuf, c'est une cordiforme orange. Oui. Donc là, je suis arrivé à toute la sélection qu'on n'a pas encore faite. C'est-à-dire que c'est des graines qu'on a échangées. Donc bon, on ne sait pas s'ils seront conformes. Si on fait toujours confiance aux gens, mais il peut y avoir une erreur. Donc tant que nous, on ne l'a pas testé, pour nous, il n'est pas conforme. Voilà. Il sera conforme quand nous, on aura dit, bon, c'est bon, les caractéristiques sont bien respectées. Comme là, c'est la cœur de bœuf d'Albenga. Donc, comme elle avait déjà fait un coup, la cœur de bœuf albenga, elle me semblait bizarre, ça faisait des tomates longues, et puis il y en avait. Et voilà, c'était pas la cœur de bœuf albenga. Donc, les graines qu'on avait fait avec, on les a jetées. Ouais, on a tout jeté, ouais. Dommage, elle produisait beaucoup. Ouais. Bonne production, très bonne tomate aussi. Ah ouais. Donc voilà, tant que les voilà, 5 graines, tous les 5. Ouais. Donc, tant que la variété n'a pas été... Ouais. Quand on n'a pas confirmé la variété, pour nous, elle reste en suspens. Donc, n'allez pas me demander, je vais prendre l'exemple de celle-ci, n'allez pas me demander des graines la semaine prochaine pour la fin de saison. Je vais vous dire non. Mais non. Voilà, je ne l'ai pas testée, qu'elle est pas, pour moi, elle n'est pas sûre qu'elle est conforme. Je ne promets pas de graines de celle-ci. Voilà, alors quand on dit conformité, on va faire un petit rappel. Ouais. Donc, la couleur. Le poids, ouais. La forme. Ouais. Quand on va l'ouvrir, il faudra qu'elle soit conforme, ben, comme celui qui a créé cette tomate et
Cette personne nous aura donné la description. Et puis, il faudra qu'elle ait aussi le même goût. Ouais. Bon, après, chaque palais est différent. Et puis après, le goût, il peut changer. Voilà. Par rapport au sol. Par selon si le sol est acide ou pas acide, ou sableux, ouais. la texture peut changer un peu. Après, si vous, semez en serre, si vous les plantez en serre ou dehors, le goût change aussi. Mais après, ça se rejoint. Oui, voilà. Ça se rejoint, voilà. Oui. Les critères les plus importants restent la couleur, le poids, la forme, l'intérieur et les deux, trois choses basiques de base. Quand on dit si elle doit être sucrée, bah, effectivement, il faut qu'elle soit sucrée. Si elle doit être acide, il faut qu'elle soit acide. Mais après, il y a d'autres critères qui peuvent venir à côté, comme le dit Jaco. Voilà. Parce que vous pouvez tout faire bien, mais il y a un truc qui peut fausser la donne. Par exemple, vous mettez une grappe dans un sachet d'Alfonso, vous êtes sûr qu'elle a été protégée et tout, mais vous n'avez pas fait attention que dedans, il y avait une fleur à tête de chat. Et ça, je vous expliquerai ça au fil de la saison. Que les fleurs à tête de chat, en fait, ça va vous faire la tomate, vous allez avoir la couleur, le goût, vous l'aurez aussi, mais vous n'aurez pas la forme ni le pot. Parce que c'est une tomate qui va être complètement déformée. Voilà, je prends l'exemple de celle-ci. Vous vous en rappelez, la Sunrise Jazz? Pour ceux qui nous suivent, ouais, ils doivent s'en rappeler. Celle-ci, sur le pied, elle était toute déformée. Donc, c'était des graines faites avec une tête de chat. Mais, vu qu'il y a la génétique quand même de la tomate, sur le pied, il y a eu deux tomates qui avaient la bonne forme, la bonne couleur. Et elle était conforme. Elle était conforme, on l'a goûté. Donc, et tout. Nous, on a fait sur les deux tomates, on a pris les graines. Et ces graines-là, on va les semer cette année. Pour les tester. Pour voir si la génétique de la tomate est revenue. Voilà. Donc, n'est pas me demander des graines parce qu'il y en a beaucoup. non. On n'est pas sur des graines, on ne donne pas. Non, on ne donne pas. Donc, voilà. Donc, on saura en fin de saison si la majorité des tomates sur le pied sont conformes à ce qu'elles doivent être. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour retrouver une variété. Et un petit truc, quand il y a même dans le sachet d'organza qui a été protégé, la fleur à tête de chat, à ne jamais faire de graines avec. Non, pas de tête de chat. Jamais. Mais là, une tête de chat, c'est dû beaucoup, c'est au début de saison. Avec les variations de température du mois de mai, mai-juin, souvent, il y a des températures qui sont très variables. Donc, souvent, ça forme des têtes de chat. Mais comme je vous expliquerai, on pourrait vous faire voir ce que c'est qu'une tête de chat, et là vous pourrez les passer, les enlever tout de suite. Voilà. Après, si vous faites pour vos graines ou si vous les faites pour vous, bon, vous la mangez. Hein. Vous pouvez les laisser. La tomate est bonne. Hein. Ah ouais. Elle est très bonne. Hein. Mais voilà. Si vous faites des échanges, soignez votre façon de faire vos graines. Bon, j'aurais dû filmer avant, Jaco qui s'était mis à chanter. Oui, mais après il va pleuvoir. Non, mais. Ouais, c'est bon, la flotte, Jaco, on en a assez. Un petit oiseau. Ah, là, on a mal assuré. Là. Troisième plateau. Oh, il y a une petite place. Ben ouais. Mon Jaco. Là, on est obligé d'en refaire une. Hein. Ah, je suis obligé. Ben, ah ouais. Comme ça. Ah non. Allez, alors. Au pif. Au pif au mètre. Au pif au mètre. Allez, bon, je vais vous montrer. Ah, ça, c'est tomate pas encore faite. Hein. Là. Voilà. Allez, vas-y. Alors, voilà. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a encore tout ça. Il y a encore tout ça, oui. Allez, Jaco, vas-y. Tu choisis un. Vas-y. Allez. À la Copper River de chez Cultive ta ruche. Allez, c'est parti, Jaco. Voilà, c'est parti. On va faire celle-là. Copper River. Copper River. Bon, bah, je vais faire la petite étiquette. Je vais en ressortir une. Voilà. Allez, on fait ça. Allez. Un dernier plateau. Allez. Et après, tout ça va partir à 18 degrés. C'est-à-dire, ben, comme on a viré les poivrons, maintenant, on va mettre ça à la place, voilà. À la cuisine. Dans ma cuisine. Bon, à bien surveiller. Surtout, ça. À 18-20 degrés, ça va lever au bout de 5-6 jours. Hein, où vous verrez les plantes se lever. Et surtout, faites attention parce que ça va vite filer. Hein. C'est là ce qu'il faut, c'est floc qu'il faut bien surveiller. Dès que vous voyez que ça lève, que ça commence à filer un peu, vous les rempotez en serre froide. Donc c'est pour ça que là, pour vous maintenant, il faut prévoir voile d'hivernage et tout ce qui s'ensuit. Pour bien les couvrir dans votre serre froide.
Au cas où, d'accord. Voilà. Et comme les poivrons, si vraiment vous annoncez du lait froid à moins 5, moins 6, et puis que vous n'êtes pas assez équipé pour les couvrir, vous avez peur, vous les rentrez au chaud pour la nuit. Hein. Comme ça, ben, il y aura moins de danger. Voilà. Bon, ben voilà. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer de quoi je m'équipe pour aller visiter mes tomates de la serre, pour ne pas être obligé de faire des voyages sans arrêt, la cave, la serre, pour venir chercher le matériel. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. À bientôt. À très très bientôt, les amis. Bon jardinage à tous. Et surtout, bon semis, hein, Jaco. Et vive la tomate. Et vive la tomate. C'est reparti.